Bonjour, je suis Julie Ferrez, votre coach forme et bien-être. Bienvenue dans notre cours de Total Body. Aujourd'hui, c'est mardi et mardi, on travaille les abdominaux. Alors n'oubliez pas que dimanche, on se retrouve aussi pour 37 minutes de Total Body complet. Si vous êtes prêt, vous n'avez qu'à récupérer votre tapis, démarrer debout, les pieds écartés, la largeur des épaules. Allez, vous fléchissez vos genoux, vous inspirez, vous montez les bras au-dessus de la tête, croisez vos doigts, poussez les paumes de main en direction du ciel, aspirez votre nombril et restez pour 4, 3, grandissez-vous, 2, 1 et vous relâchez tranquillement les bras. Et à nouveau, j'inspire, j'étire, je croise les doigts et je pousse les paumes de main en direction du ciel. Creusez votre ventre, on reste encore pour 4, 3, 2, 1, vous relâchez, super. Vous allez monter ensuite juste votre bras droit, votre main gauche est sur votre taille et vous allez incliner votre buste sur la gauche pour étirer vos obliques. Et oui, le principe de l'échauffement, c'est réveiller votre corps en douceur. Donc on étire et on contracte gentiment. Puis vous relâchez votre bras droit, vous allez ensuite monter votre bras gauche au-dessus de votre tête, ventre rentré. La main droite sur votre taille et vous inclinez votre buste sur la droite. Allez, on étire, on se grandit. Pour travailler nos abdos, il faut aussi étirer notre dos. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les abdos s'accrochent dans le dos. Vous relâchez tranquillement. Vous allez ensuite croiser vos doigts devant vous, comme en prière. Et vous allez effectuer des cercles avec vos poignets, les mobiliser dans tous les sens. En général, quand on échauffe les poignets, ça veut dire qu'on va faire quelques petites planches. Alors si vous êtes novice et que vous découvrez ce qu'est la planche, je pense que vous allez aimer. Vous faites ensuite des petites vagues avec vos bras, toujours les doigts croisés. Voilà, des petites vagues avec vos poignets, vos mains dans un sens, dans l'autre, pour bien échauffer les doigts et les poignets. Super, vous relâchez ensuite les bras. Et vous allez monter les deux mains au-dessus de la tête, les bras tendus, et vous allez bouger un coup à droite, un coup à gauche pour étirer votre taille, grandir votre dos. Ok, très bien, droite, gauche, on étire, on se grandit. Et vous relâchez, vous allez ensuite enrouler votre colonne vertébrale sur l'avant. Comme si vous vouliez aller poser vos mains au sol, fléchissez vos genoux, rentrez votre tête et vous restez en bas. Voilà, relâchez bien le dos. Si ça tire vraiment trop dans les cuisses, vous pouvez fléchir vos genoux. Voilà, tranquillement. Et vous allez remonter. Ok, très bien. On commence avec notre tout premier exercice. On va rester debout pour l'instant. Vous allez croiser vos doigts que vous allez placer derrière votre tête. Fléchir vos genoux et vous pencher un petit peu sur l'avant. Et là, je vais tout simplement incliner de droite à gauche mon buste. Je descends à droite, puis à gauche. Hop. Et encore, droite, je repasse au centre. Gauche, simplement pour étirer et contracter mes obliques. Ok, une fois que vous avez capté bien ce rythme, hop, tac, et un coup à droite, au centre, à gauche, on accélère, ça fait droite, gauche, en fait votre buste fait le principe de l'essuie-glace, encore 8, 7, 6, 5, 4, rentrez votre ventre, gardez vos genoux bien fléchis, encore 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1, cette fois-ci, vous revenez le buste dans l'axe. Au lieu d'incliner, on va faire des rotations. On va pivoter à droite, puis à gauche, à droite, puis à gauche. Une fois que vous avez bien compris, eh bien, on accélère sur le tempo. Bam, 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 bam. Et tranquillement, je tourne droite, gauche. Le bassin reste dans l'axe, les genoux sont dans l'axe, les genoux sont légèrement fléchis, on baisse ses épaules encore. Ça, c'est bon pour travailler vos obliques, les poignées d'amour et se réveiller en douceur si vous faites cette séance le matin. Et ça détend si vous la faites le soir. En gros, vous n'avez pas d'excuses. Matin ou soir, il faut bosser vos abdos le mardi. Et vous relâchez.
Ok, bravo. Je pense que vous avez un petit peu mal aux épaules, donc faites quelques petits cercles. Inclinez votre tête de droite à gauche tranquillement. Et vous allez venir vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Les mains écartées la largeur de vos épaules. Les orteils retournés sur le tapis de manière à venir accrocher le sol. On va tout simplement rester dans cette position-là, pousser dans les mains et dans les pieds et décoller de 3 cm les genoux du sol. Allez, go! Hop, vous restez. Et là, vous devez sentir la pression qui se fait dans le ventre. Rentrez votre nombril, serrez votre périnée. On maintient comme ça pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux, voilà. Relâchez un peu votre dos, bougez votre colonne, votre bassin. On recommence, même chose, c'est parti, tu décolles, hop. Allez, de 2 à 3 cm les genoux, pas plus, hein, les orteils sont accrochés dans le sol, les doigts repoussent vraiment dans le tapis, les épaules sont basses. Aspire ton nombril, serre ton périnée et on reste encore. Cette fois-ci, je commence à compter à 10 à partir de maintenant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Ok, ça c'était ce qu'on appelle le placement de l'ours. Mais l'ours va devenir planche. Donc, cher débutant, si tu sens que là, tu es déjà en difficulté, eh bien, tu vas rester sur l'exercice de l'ours. Si maintenant, tu sens que tu peux passer à l'étape d'après, ou tout simplement que tu n'es pas débutant, eh bien, on se prépare, on va se mettre en planche. Donc, quatre pattes, même position. Cette fois-ci, je vais tendre mes jambes. Et mon bassin va venir se mettre absolument parallèle au sol. Je repousse dans les mains, je repousse dans les pieds. Je descends bien mes talons, de manière à sentir la force en direction des talons. D'être bien à l'horizontale, j'aspire mon nombril et je reste. Repousser dans les mains. Voilà. Quatre appuis, simplement, les deux mains, les deux pieds. Et je reste encore. Attention de ne pas creuser ton dos, attention de ne pas non plus me faire la pyramide du Louvre, hein, c'est-à-dire les fessiers trop remontés. À partir de maintenant, je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, on s'accroche. 4, repousse dans les pieds. 3, serre le ventre. 2, 1, et tu relâches au sol. Pas mal du tout. On va recommencer. Prenez votre temps. Cette fois-ci, si vraiment tu as des douleurs dans les poignets, tu peux venir poser tes coudes au sol. Hein. Et si pas de douleur, on reprend exactement la même chose. Attention, c'est parti. Planche, tu pousses dans les mains, dans les pieds et tu restes. Serre le ventre. Allez encore, tu restes, tu ne lâches rien. Creuse ton nombril. Voilà, allonge ta colonne vertébrale. Toute petite planche sympathique, encore 10, 9, 8, 7. Sens tes abdos là se resserrer. 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Bien vu, bien joué. Cette fois-ci, tu vas venir t'installer position assise et venir même t'allonger sur le dos. Tu vas fléchir tes deux genoux, poser tes pieds à plat. Tu vas glisser les mains sous la tête. Hop, croiser tes doigts. Tu vas relâcher ta jambe droite au sol, donc tu n'as que ta jambe gauche fléchie. Et là, je vais décoller les omoplates du sol. Donc, je me décolle et je me repose tranquillement. Tu imagines entre ton menton et tes clavicules d'avoir une grosse pomme, donc tu ne casses pas tes cervicales, tu gardes la tête dans l'axe. Et on est parti, tu décolles. 1, 2, 3, 4. Des petits crunchs rapides, toniques, ventre rentré encore. Surtout, tu ne tires pas sur ta tête. Tu penses à ma pomme et tu souffles à chaque montée. Encore, souffle. Allez, hop, hop, hop. Tu montes, tu descends. Encore, hop, hop. Cale-toi sur le tempo. Si jamais le tempo va beaucoup trop vite pour toi, eh bien, tout simplement, tu choisis ton propre tempo. Encore. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu restes avec moi là-haut. Tu te restes, reste. Tu ne reposes pas tes épaules. Tu vas simplement ramener ta jambe droite et tendre ta jambe gauche. Ventre serré,
Et là, tu reposes tes épaules. Ok, tu prends une belle inspiration, une belle expiration. Bon, on va recommencer de l'autre côté. Hein. Petit crunch avec la jambe gauche détendue. Ventre rentré, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu fais attention de ne pas écraser le bas de ton dos. Tu continues sur ce rythme. Tu ne lâches rien. C'est mardi. On attaque. Go. Allez. Bam. Bam. Décolle. Encore. Souffle. Pense à ma pomme entre le menton et les clavicules. Rentre ton nombril, serre ton périnée, lâche rien du tout, du tout. Encore. Allez, accroche-toi. Encore les 8 dernières. 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1. Eh bien, bravo, tu peux être fier de toi. Séance terminée, on se retrouve mercredi pour la suite de notre Total Body. Bien joué.